Ce 9 mai 2024, Béatrice Schönberg célèbre ses 71 printemps. Depuis 2005, elle file le parfait amour avec Jean-Louis Borloo. Un couple discret, mais toujours aussi solide, en témoignent leurs rares apparitions en public. Joyeux anniversaire, Béatrice Schönberg. La journaliste fête son 71e anniversaire ce jeudi 9 mai 2024. Nul doute que cette nouvelle bougie, elle la soufflera en compagnie de ses proches, parmi lesquels l'homme politique, Jean-Louis Borloo. L'ancien ministre n'est autre que son mari, qu'elle a épousé en juillet 2005. Par amour, et en raison de la carrière menée en politique de son époux, Béatrice Schönberg avait mis sa carrière de journaliste entre parenthèses. Un sacrifice loin d'être fait pour rien, puisque près de 20 ans après leur mariage, les deux tourtereaux sont toujours aussi amoureux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Nombreux sont les couples de célébrités à suivre ce credo pour leur histoire d'amour. Béatrice Schönberg et Jean-Louis Borloo en font partie. S'ils ne sont pas du genre à courir les plateaux télé, les tapis rouges ou à s'exposer sur les réseaux sociaux, Jean-Louis Borloo et Béatrice Schönberg préfèrent la tranquillité de leur nid d'amour et la discrétion. Cela ne les empêche toutefois pas de se montrer en public à certains moments, de joie ou de tristesse, pour prouver que les sentiments sont bel et bien toujours au rendez-vous. De rares apparitions en public. Il y a 11 ans, en 2013, il s'était notamment montré très complice et déchaîné à l'anniversaire de l'actrice Chantal Lauby en marge du Festival de cinéma de Valenciennes. Deux ans plus tard, c'est dans une toute autre ambiance que le couple s'est montré. Jean-Louis Borloo a malheureusement perdu sa maman cette année-là. Il a donc pu compter sur le soutien de Béatrice Schönberg lors de ses obsèques. Le duo a également affronté celle de Patrice Dominguez main dans la main. Mais 2015 a aussi marqué l'investissement du couple dans des opérations caritatives. Ils étaient notamment présents lors de la soirée de gala Africa on the Rock organisée avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, comme ils étaient présents au dîner de gala pour la Fondation Akuo, dont la principale mission est environnementale. Ils avaient aussi honoré de leur présence la soirée de lancement de la marque de lunettes Nathalie Blanc la même année. Leurs dernières apparitions officielles datent de 2018 et 2019, où ils s'étaient rendus aux obsèques de la chanteuse France Gall pour un dernier hommage au mois de janvier. Quelque temps plus tard, c'est à une soirée organisée en l'honneur de Nathalie Baye que le couple s'est dévoilé. L'année suivante, c'est sur la côte ouest, pour une magnifique raison, que Béatrice Schönberg et Jean-Louis Borloo ont fait le déplacement. Les époux faisaient partie des invités chanceux conviés au mariage de Laura Smet et Raphaël Lancré-Javal.